Salut à tous les gamers, c'est Wartek et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo spéciale 80 000 abonnés. J'aimerais d'abord tous vous remercier pour l'énorme soutien que vous m'apportez. 80 000 abonnés, c'est vraiment un truc incroyable. Et voilà, merci à tous vraiment. Et je vous présente aujourd'hui une vidéo très spéciale, donc je vais vous expliquer. Donc voici mes classes avec des petits smileys tout à fait sympas. En fait, je vous explique. J'ai appelé cette vidéo la dégringolade sniping. Donc en gros, je vais lancer une partie en guerre de territoire, si jamais Squeezie est dans le groupe avec moi. Et en fait, je vais commencer avec le barrette. Et à chaque fois que je meurs, je passe au snipe d'en dessous et à la classe d'en dessous. C'est-à-dire, je commence avec le barrette, ensuite ce sera le MSR, le L118, l'AS50, le RSAS et le Dragoon 9. Pour pouvoir remonter à la classe d'au-dessus, il faut faire 3 frags avec le sniper. Donc on va tester ça, ça va être assez drôle, c'est en face live commentary comme vous pouvez voir ça. Et voilà, je fais aussi cette vidéo pour introduire ma série sniper que je vais lancer. Donc ce sera donc un test de tous les snipes, donc c'est-à-dire barrette, tous les snipes que vous venez de voir là, dans des gameplays de 10 minutes. Alors j'ai décidé de faire un truc un peu spécial, c'est-à-dire que pendant 5 minutes de gameplay, donc je parlerai donc du sniper, de la classe à adopter, du meilleur mode pour pouvoir faire tel kill feed ou tel trick shot par exemple. Et les 5 autres minutes, je parlerai d'un sujet de la vie de tous les jours, c'est-à-dire par exemple, on va dire, les études et les jeux vidéo, un exemple. Et voilà, et le nom de la vidéo, ce sera donc le titre du sujet de la vie de tous les jours. Je trouve que c'est un concept sympa, parce que c'est vrai que parler de 10 minutes de gameplay, c'est peut-être pas forcément le must. Voilà, j'ai décidé de faire un peu comme ça, histoire de parler un peu d'autres choses, de varier un peu justement dans les explications et aussi de trouver un sujet qui peut toucher un peu tout le monde et je trouve ça sympa. Et j'aimerais surtout pouvoir commencer une partie, ce serait quand même sympa, mais là à 2 contre 2 on va pas aller très loin. Pour tous ceux qui ont demandé pourquoi est-ce que j'avais donc un niveau aussi bas alors que j'étais prestige 7, c'est que en fait tout simplement comme un bébé, qui est une belle expression suisse, on va dire que j'ai fait le prestige, le glitch des prestige tokens. Et donc du coup j'ai été banni et au bout de 38 heures j'ai été débanni. Donc je peux rejouer mais je suis retombé au niveau 0 avec un ratio de toute manière qui est écrasé. Parce qu'ils vous remettent avec 10 000 morts et 1000 défaites. Donc de toute manière ces deux ratios, donc les ratios de victoire et de mort et tué sont écrasés complètement. Mais par contre je vise donc la précision où je suis à peu près à 38, ce qui est pas trop mal. Donc voilà, tous ceux qui sont là sont des gens qui m'ont rejoint, donc s'ils regardent la vidéo, bah, je vous dis bonjour. C'est possible pour ça que vous demandez souvent pourquoi est-ce que dans mes parties il y a beaucoup de snipers, c'est tout simplement que vous me rejoignez, et la plupart du temps vous jouez aux snipers, ce que j'apprécie énormément, et j'adore jouer avec vous, franchement c'est un plaisir. Et donc, voilà, donc là sûrement il va y avoir des gens aux snipers, on doit attendre encore 3 personnes. Je vais peut-être accélérer ça au montage, sauf si ça arrive assez vite. Mais autrement j'accélérerai ce petit bout où il se passe pas grand chose. On attend de... Non bah c'est bon, j'accélérerai pas. On est de retour. Donc voilà, alors pit demi sur Arcaden, j'espère que ça va aller. Si jamais vous avez pas vu ma classe, donc c'est donc le C4, j'ai insertion tactique, les P90 Akimbo, tour de passe-passe, bonne gâchette et le tireur d'élite pro. Donc voilà, on va tenter de faire quelque chose de bien. J'ai mis un t-shirt pour l'occasion. Un petit t-shirt face que je m'étais fait faire, qui est plutôt sympa. Donc voilà, je veux aussi vous remercier tous du soutien que vous m'apportez sur Facebook, sur Twitter et tout ça. Vraiment, j'apprécie énormément et merci à tous. Alors, on est parti. On va se chauffer, on va essayer de faire quelque chose de bien. Tant que je fais des frags au barrette, bah je le garde. Hein. Mais à mon avis, ça va être trop dur pour que je garde que le barrette. Alors, voyons. Alors... Normalement, il devrait y avoir du monde par là, non? D'accord. Ok, magnifique. Si je loupe déjà la première balle... Bon, allez. Ouais, mais serre. Tentons de faire 3 frags pour remonter aux barrettes. Parce que si je descends trop vite, ça va être la déchéance et je vais arriver à la fin et je vais me faire... exploser. Donc tout le monde est au snipe, vous avez vu. Comme quoi, voilà. C'est tout simplement que les gens qui me rejoignent jouent au sniper, donc du coup, c'est plutôt sympa. Non, mais sérieusement? Je suis déjà à la S50, j'ai pas fait un frag. Tout va bien. On se concentre.
Allez, venez me voir. Non, mais alors là, pour déjà pour faire 3 frags à la S50, c'est juste impossible. Alors, si jamais les frags que je fais, donc avec peut-être le C4 ou tout ça, on va dire que ça compte, hein, parce que c'est déjà assez dur comme ça. Alors, j'ai pas vu un ennemi, hein, sans déconner. Mais c'est... Ok, je suis Jao Ersas, le snipe qui ne tue pas en une balle. Je commence tout à fait très bien, ça fait plaisir. Voilà, et bien, je suis obligé de tirer comme ça avec Ersas, hein, je vous préviens. C'est pas que je suis un noob, hein, mais c'est obligatoire pour tuer quelqu'un. Alors, d'accord, très bonne connexion. Ah là là, il fallait que ça se passe mal. Hein. Voilà, magnifique, 2 frags, allez. 3 frags, oui, je peux remonter. Si j'en fais encore 3, je peux monter de 2 classes d'un coup. Allez, allez. Allez, on y croit, on y croit. La coup, elle est remontée? Non, pas du tout. Oh oui, 2, non, 1, 2. Je crois que j'avais fait 2. Non, bon, je peux repasser au S50. Allez. Allez, allez, on joue à S50. Non. Excusez-moi, je campe, hein, mais c'est pas facile avec la S50. Hein. Franchement, c'est un snipe. Hop là, salut. Allez, on continue. Voilà, magnifique, 2 frags. Non. Non, 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 me tue pas, toi. T'es pas gentil. Non, c'est pas vrai. Et voilà, je redescends. La connexion est insupportable dans la partie. Vraiment. Ça m'aide vraiment pas du tout. Mais on arrive à se maintenir à un score neutre. Allez, allez. Non, mais s'il vous plaît, regardez-moi cette connexion, quoi. Déjà une frappe qui arrive, je crois, j'entends. Ah non. Ok, alors... Ah là, un ennemi. Hop, allez, 5 ans. Hop là. Allez, allez. Là, il y a un moyen de remonter. Où sont les ennemis? Non. Oh non, et regardez. Non, mais la cause, c'est vraiment... Enfin, il y a un moment, voilà, quoi. Et ça a pas descendu, en plus. À cause de la cause. Superbe. La partie, elle est insupportable. Enfin, la connexion est insupportable. Alors, on va tenter. Là-bas, je crois qu'il y a un peu de monde. Ah, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Ah, si on remonte par là, il y a sûrement moyen. Il y a 2 ennemis là-haut. On n'a pas vu. Et 2-1. Et des 2. Allez, allez, on y croit, on y croit. En fait, c'est vraiment pas un snipe, ce truc. C'est un fusil d'assaut. Hein. Et voilà. Et non, je suis au dragon. Hein. Fantastique. Squeezie aussi, lag, c'est vraiment insupportable la connexion, vraiment. Allez, on va tenter de faire 3 frags avec ce truc là, ce qui est totalement impossible à part tirer dans la tête. Voilà, vous avez vu. C'est absolument fantastique. Tous les autres avec tous aux barrettes, donc c'est vrai que. Au niveau d'égalité, ça risque d'être difficile. J'ai combien? Je me fais tirer dessus. Ah non. Allez, allez. Ramenez-moi les ennemis un peu par là. Allez, et 2-1. Et 2-1. Oh, et je prends la collate. Avec Squeezie. Trop dur. Franchement, je vous conseillerais d'essayer, c'est vraiment sympa. J'ai trouvé ce petit concept, je me suis dit pourquoi pas tenter ça. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Si quelqu'un l'a déjà fait, bah, je le citerai parce que je n'ai aucune idée. Il y a du énormément de monde là-bas. D'accord, première balle de marquage, fantastique. Ah, il n'y a pas moyen. Franchement, il n'y a juste pas moyen de tenter quelque chose de bien. En tout cas, de remonter. Franchement, si le C4 il m'avait tué, j'aurais bien rigolé. Allez, bouge. Allez, il y a du monde là, il y a du monde. Ils sont où? Oh oui. Allez, plus qu'un. Non, il est mort. Non, 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 là, il faut que je fasse un frag. Faut que je joue tactique, il faut que je fasse un frag. Attention. Oui, bien. Non, assistance. Allez. Allez, encore un frag et je peux remonter Ersas. Allez, allez. On y croit, on y croit. Venez me voir. Ils sont les ennemis là, je vois personne moi. Ils sont censés être là? D'accord, très bien. Non! Je m'en vais. Je fuis comme un lâche. Oh mon dieu, là il y a moyen. Il est déjà sur le coup? Oui, je peux remonter Ersas. Allez, je fais encore 3 frags, je remonte de 2 snipes. Ok, je peux remonter Ersas. Allez, on remonte Ersas. Si je meurs direct derrière, je crois que je vais te dégoûter. Non! Bouge-toi, allez, un frag. Non! Mais. Oh my god! Bon. Allez, on va se mettre là. Il y a du monde par là. On va tenter le C4. Désolé, mais... Oui, 2. Allez, 2 au C4. Allez, plus qu'un et je remonte. Oui. Magnifique. Ersas de nouveau.
Allez, on y prend. Je suis désolé, c'est vraiment pas un commentaire construit. Mais là, je suis un peu trop concentré pour essayer de quelque chose de potable. Allez, viens là. Oui. Allez, encore un. Allez, encore un. Non, il m'a tué. C'est pas grave, je peux remonter à ça. Franchement, j'aurais fait encore une fois que je suis remonté au snipe au-dessus. Ça aurait été bien marrant. Oh là là. En tout cas, laissez bien vos avis. Voilà, magnifique. Une tête. Encore un. Allez, un petit dernier. Donc, laissez bien vos avis sur qu'est-ce que vous pensez donc de cette idée donc de faire une série snipe avec donc l'explication snipe de 5 minutes et l'explication de 5 minutes d'un sujet de la vie de tous les jours. Il y avait 4 ennemis devant moi, mais tu vois. Allez, 21-15. Je sais pas comment je vais l'appeler. Ouais, je pense que je vais l'appeler la dégringolade sniping. Cette vidéo, ça peut être marrant. Allez, et 2-1. Franchement, bah j'aurais fait la partie au RSA, c'est au Dragon 9. Parce qu'au début, je me suis fait. Oh, la tête, magnifique. Allez, on y croit. Non, parce qu'il est avec moi. Allez, je peux bien trouver un petit là qui vient m'arriver dessus. Oh, quoi, Predator. Allez, hop. Non, genre, ils sont tous là-bas, j'en ai pas tué un seul. Allez, je vais m'en tuer un là quand même. Oui, un, deux, non, un. Un seul. Où ils sont? Là. Et voilà, je peux remonter vers ça, je fais 3 frags, magnifique. Allez, on y croit. On y croit qu'on peut remonter à la S50. Honnêtement, je galère pour remonter à la S50. Alors que le snipe, il est vraiment... Ah non, non, non. Oh, c'est pas vrai. Bon, 24-17. C'est pas trop mal. Allez, on y croit. J'ai dit 50 fois, je crois qu'on y croit. Alors que j'y crois pas du tout. Il y a du monde là. Partie full sniper, c'est sympa, sauf quand vous jouez avec le snipe le plus pourri du jeu en fait. C'est un peu dur en fait. Il est bon. On va tester. Ça aurait pu être marrant si j'avais fait un peu plus de frag au début, mais là c'est vrai que c'est un peu la déchet. Voilà, et de 1. Mais il a pas bougé de là lui. C'est incroyable. Si tu regardes la vidéo, tu devrais bouger un peu plus. Non, viens là. En tout cas, je peux vous dire que c'est une partie full sniper, puisque je pense que toute l'équipe d'en face sont des gens qui m'ont rejoint. J'ai l'habitude de voir les fils dans mes parties. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Allez, et 2-1. Allez, viens là-bas, toi. Et j'y crois. Oui, je campe. Oui, oui, mesdames et messieurs, je campe. Je suis obligé. Voilà. Oh non! J'étais sûr de l'avoir eu. Il est allongé par terre, lui? Il est bougé. La frappe aérienne, toujours aussi sympa. Et toujours aussi présente, surtout. D'ailleurs, si vous avez remarqué, dans le dernier top 10 kill streak que j'ai fait, il n'y avait pas une seule frappe aérienne sur Call of, enfin sur MW3, parce que je trouvais ça pas du tout mérité. Donc, du coup, allez, encore un frag et je peux remonter hors sas. Allez, viens mettre ta petite tête dans mon viseur. Non! J'ai pris une colle à tête chaude. En kill cam final. Ah non, ça va. Enfin, bref. C'était bien marrant. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pour 80 000. La série donc Sniper va commencer très très bientôt. Et je vous invite donc à aller voir toutes mes autres vidéos. Et voilà, merci à tous de liker, commenter toutes mes vidéos. J'apprécie énormément. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était WarTech. Allez, ciao tout le monde.